Vous avez des soucis de stabilité du contact dans les trois allures, au pas, au trot ou encore au galop? Un des points clés pour commencer à résoudre ce petit problème-là, c'est de faire très attention à toutes vos transitions, les transitions montantes et les transitions descendantes. Donc aujourd'hui, on va travailler ça. Et déjà, la première chose, c'est prendre conscience de la transition. Dans chaque transition, faites bien attention vous aussi à surtout ne rien changer dans votre fonctionnement et dans votre position. Gardez bien les mains stables, que surtout elles ne soient pas tentées dans les transitions montantes d'avancer pour donner envie au cheval de partir vers l'avant, parce que sinon vous allez rompre le contact et du coup il risque de tomber sur les épaules et de pas du tout réussir sa transition montante. Ou à l'inverse, dans les transitions descendantes, de trop tirer vers l'arrière et du coup qui passe certes dans l'allure descendante, mais en freinant, alors qu'on veut garder le mouvement en avant. Et dans les transitions montantes, il faut laisser passer le cheval vers l'avant et que ce soit le cheval qui parte dans la transition montante et pas vous qui partiez tout seul dans cette transition sans lui. Assurez-vous de bien garder le mouvement en avant, que surtout votre cheval y reste bien stable dans son contact, léger, qu'il soit prévenu de la transition et qu'il n'y ait plus qu'à demander les aides et que rien ne change dans la transition. Très bien. Toujours cette même stabilité, toujours ce même fonctionnement, on ne change rien et on fait une transition. Très bien. Dans les transitions descendantes, il faut garder le mouvement en avant, garder la stabilité et que rien ne change dans l'attitude. Et dans la transition vers le pas, faites attention que le cheval ne freine pas, qu'il fasse la transition et qu'il conserve ensuite son mouvement en avant. Et ensuite seulement, on peut lui donner les rênes pour faire une pause et le féliciter. N'hésitez jamais à refaire une transition si vous ne la sentez pas parfaite. Prenez le temps, refaites la transition, assurez-vous qu'elle est parfaite. Ça fonctionnera beaucoup mieux dans le corps du cheval, son dos restera bien en place et surtout lui, il aura compris qu'on ne passe pas une transition coûte que coûte, on la passe en gardant tout son fonctionnement dans le bon sens.